Ça, Bonjour tout le monde, c'est mon ici Tentacle Kaini. Shiny. J'espère que vous allez bien Ma parce plus que moi je vais grande super joie bien. dans Allez! ce jeu. Un jour, je Pour vais t'envoyer l'aventure une du copie jeu du petit Resident Evil Code illustré. Une fois Veronica que la liste, live ben sur la oui. chaîne du Caribou Il va canadien. rien Oh jouer, il va yeah! rien jouer, Max. La fin, ça va jusqu'à Lucario. Le restant, c'est des légendaires. Puis tu peux pas les avoir en Shiny dans celle-là. Fait qu'il va me manquer Bergmite. Ici, c'est un fossile, son tough à pogner. Snover. Puis, that's it. Je sais pas si j'avais sauvegardé. Je vais le refaire. Sauvegarde. Lucario est bien beau. Ouais, puis check ça. Ça, c'est mon Lucario Alpha Shiny. Il est beau, hein? Il est plus grand que moi. Puis ça, c'est mon Luxury Alpha Shiny. Il est beau, hein? Il est plus grand que Lucario. Ça, c'est mon Rotom Alpha Shiny. Il est beau, hein? Ça, c'est mon Machamp Alpha Shiny. Il est beau, hein? Il est plus gros que tout le monde. Il pourrait me tuer avec 2 pouces. Alright, fait que là, on va demander à elle de nous aider avec Munchlax. Munchlax va nous aider. Il est plus gros que tout le monde. Il est full succès. Il est super succès. Elle l'adore. La plupart qu'on a là, on les a déjà en Shiny. Daddy Machamp à fond. Les deux seuls vraiment que j'irais voir seraient Mr. Mime ici et Snover. Mais pour le fun, on va aller voir Dartrix. Fais du Tom War avec Machamp, il va me détruire. Ah, les arbres, faut toujours que j'y check. Faut toujours que j'y check parce que c'est là que je peux pogner un Burmy. Ah shit, j'ai oublié de le remplir. Ah, War Madame. Burmy Shiny en est un qui est terriblement tough à pogner. Parce que. Il est juste dans les arbres. Fait que ce qu'on va faire, c'est aller ici, premièrement. Ben là, je cherche pas Latios. Je vois quel jeu maintenant on est. N'importe quoi. Latios, ça serait plus dans Pokémon Sword. Suite, honnêtement, ce serait n'importe quoi. Mais je pense pas qu'on va voir de Shiny tout de suite, là, quand même. On va aller pour Mr. Mime en premier parce que ça, il me le manque. Contre le popcorn nature. Genre pas de beurre? Pas de beurre, pas de sel? En contre. C'est un fléau ça. Fait que Mr. Mime Jr. est parti. On va aller voir pour Snover. Bon. Hey, c'est totalement inutile. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est juste oublier ça de partir de ça parce que les autres, je les ai déjà. Et le but, c'est d'essayer de terminer le Shiny Living Dex de justement Pokémon Legends. Ça va me prendre encore, c'est sûr, facilement 500 heures. Les fossiles sont vraiment tough à pogner parce qu'il faut que t'attendre entre 10 minutes à comme 40 minutes qu'un... comment t'appelles ça? Une distortion. Come on, let's go. Appear, ouais. Apparaisse, puis c'est dans la distortion que tu peux en pogner. C'est juste, c'est long. C'est rare. Tu marches plus, mais l'expérience est enrichissante. Ah, pour Machamp, ça, ben oui. Claire, come on! Finally, we can get out of this insane place.
Comment ça marche? Ben c'est ça, t'attends qu'une distorsion apparaisse, puis là, t'attends qu'elle s'active. Quand elle est activée, je pense que tu peux rester 5 minutes dedans, puis dans ces 5 minutes-là, t'auras 3 à 4 spawns d'un certain Pokémon. Puis, mettons que si tu vas dans Crimson Mireland, ben là, tu peux avoir des Cyndaquil qui apparaissent, comme que tu peux avoir des... voyons, des Porygon, c'est ça que je veux. Non, juste c'est que tu sims Machamp. Là, on va juste aller voir ici s'il n'y aurait pas un Heracross Shiny Alpha. Parce qu'il y a toujours un Heracross Alpha dans le fond, mais ce serait cool de voir s'il est Shiny, tu sais. Oh my god, what the fudge! Hurry up! Go, go, go! Un Alpha Rapidash Shiny, what? Okay, let's go! What? Come on, let's go! What, are you scared? Oh my bloody god. No! Steve! Attends. Oh my god! Un Alpha Shiny Rapidash! I'll waste that monster and come back. Et le pire, c'est que si j'avais pas été voir pour Heracross, jamais que je l'aurais vu, là. J'allais juste reset, moi. On va le changer dans mes précédents. Je peux pas croire que c'est un Alpha en plus de tout. Alpha, Pokémon précédent, on va le changer pour Rapidash. Ça marche, ce petit gun-là. Wow. À moins qu'il n'y ait pas de balle dedans. Wow. Il y a des balles dedans, c'est-tu? Ok, attends un petit peu. Là, on s'en va chercher pour Heracross. Si Heracross Alpha est Shiny tout de suite, je donne 50 gifted subs dans le chat. Ah, bon. Legends. Il y a plusieurs façons, Guillaume. Le hasard, le coup d'hasard. Mais complète ton Pokédex le plus que tu peux. Amène le au level 10 de chacun de tes Pokémon, puis tu vas booster tes odds d'en avoir comme ça. Si t'as pas de shiny, tu perds tes Pokéballs pour rien. Ouais, mais ce qui est bien avec ça, là, c'est que tu peux sauvegarder. Puis utiliser tes Pokéballs, puis après ça, juste effacer puis revenir. Hey, je peux pas croire. Mais là, j'ai pas eu le choix de continuer la run au complet. Ok, je vais continuer un petit peu, là, je vais faire la run au complet ici. J'ai eu le goût de mettre le $100, tu peux pas croire à quel point. Oh. Oh, ça a été merveilleux, ça. What the fuck, y'a un Stantler Shiny? What?
Ben ouais. Ah! C'est comme n'importe quoi. Claire, come on! Finally, we can get out of this insane place. Non mais legit, je suis plein de merde là, c'est quoi ça? Stantler Shiny, let's go! Ouais, tu sais plus si tu veux faire une race contre moi? Exactement, Evali. Mais là, par contre, je vais garder Rapidash dans précédent. C'est pas mal plus majestueux qu'un Stantler. On comprend pas comment ça marche, cette petite gun-là. Ok, ça nous en prend un autre, un troisième Shiny. Jamais 203. Y'a-tu pas un Gyarados là? Ouais, mais y'a pas Shiny. Ok, let's go! Pensez-vous qu'on peut pogner un troisième Shiny dans le même area? Pensez-vous que c'est possible? On va aller ici. Non. Tu dois changer. Non, non, non. C'est Rapidash. Si j'en pogne un autre, je le changerai. Ouais, j'ai fini l'histoire au complet. Il me reste encore une couple de side quests. Ouais, ça, je sais comment tirer au moins. Mais no stress. Yes! So, Stantler Shiny, je pense que je vais l'évoluer en Wyrdeer. Pour avoir un Wyrdeer Shiny dans mon Shiny Living Dex. Hey, tout est possible, c'est vrai ça. Hey, deux shiny back-à-back pis un alpha là-dedans. Oh! Pis une distorsion qui se forme. Ok, on va aller shiny hunter dans la distorsion. Pis si on pogne un Sneasel shiny, je me pisse dessus. C'est un troisième top 50 gift sub. Ouais, non, c'est un deal de tantôt, Sébastien. Je fais pas ce deal-là à chaque fois, sinon, à un moment donné, ça va arriver, c'est sûr. Tu m'épices dessus, mais juste parce que j'ai envie, ça, je reviens. Perfect. Ok, Burmy Shiny. Non, War Madame, pas Shiny. Oh, j'allais décoller puis me remplir. On va aller voir le Rapidash après là, je pense que ça va être bien cool. Claire, come on. Finally, we can get out of this insane place. Salut Mouche, ça va? On a le temps de faire le tour encore un petit peu en attendant que la distorsion se forme, je pense. Hey, je peux pas rester une heure de plus en stream, Valou, parce que j'ai du monde qui vient dans la maison à soir. Marty va être là. Ok, let's go! Je pense qu'il y a un Gyarados dans ce coin-ci. Yep. Shiny avec le gligling. Alright, on va aller à la distorsion tout de suite. Mais quoi, you know what? J'ai le temps de gosser encore un petit peu. On va aller faire cette belle distorsion là, puis on va pogner un troisième shiny. Monsieur Xenias. Merci. C'est quoi ce tir-là? J'y croyais! Ben ouais.
plus de beurre. Maintenant, il y en a vraiment un. Ouais. Qui Snorlax, peut-être? Non. Je croyais aussi que je regardais pas Tauriu. On s'est bien fait berner, quoi. Checker tranquillo aux alentours. Ah, il y a un arbre ici, il y a peut-être un Burmy. Un Burmy, mais il est pas shiny. Faudra se sentir alert de mon boss. Ben oui, certain. Ah, je l'ai eu, je pense. Ah, il y en a un autre qui shake, peut-être là. La journée que je vais avoir mon Burmy Shiny dans Legends, je vais être vraiment content. Chris, mon nom c'est Claire, c'est pas Steve. Il y a un spot que j'ai pas été voir, fait que... Ah! Et Burmy, je vais prendre du café, je reviens. Perfect. Un des premiers shiny que j'ai pogné dans Legend, c'est... Ah, oh, t'as réussi à pogner Abra. Abra, il gosse d'un fois, là. Ok. S'il y a un shiny là-dedans, je capote. J'ai hâte de voir ça. C'est un Sneasel qu'on veut shiny ici. Si on pogne un Sneasel shiny, c'est ultra méga rare. Perfect. We'll be able to ride right over to the Australian base with this. Yeah, let's go. Ça sert à quoi les shards? Tu peux les vendre pour faire du cash dans le jeu. C'est une bonne manière de se faire de la moula. I won't forget about this, Claire. Ah, Gengar, malade. Pas shiny, là. Je suis rendu que je suis vraiment élitiste. Je veux vraiment que ce soit des shiny, sinon ils ont plus trop de valeur. Et quand t'es rendu loin dans le jeu pis tu shiny, hein, t'as pas le choix. C'est pas parce que c'est un Gengar que ça veut dire que je devrais le poigner. Alexia! Merci pour le follow, petite fleur! C'est tellement bon ici! Merci, petite fleur, pour ton follow. J'espère que tu vas bien. Fait que je te dirais, on a pas mal fait le tour tout de suite. Non, non, vous m'aurez pas. Ah! Un Hunter Alpha. C'est celui-là, je l'ai pas eu. Bien essayé quand même, Evaï. Shiny qui apparaît devant nous, on garoche un Pokémon pour commencer un combat direct. Parce que là, la tempête va se terminer. Puis, si t'essayes juste de pogner un Shiny en lançant des Pokéballs, puis que la tempête se termine, t'es mal pris. Tandis que si tu commences un combat, au moins ça te sécurise un peu. Mais là, par contre, c'est un peu tough quand il fonce vers toi. Qui arrive? Chris Redfield. Bon
following up on a lead given to me by Steelix, Licky Licky, rien de fascinant. Puis si je me trompe pas, quand le quand la tempête se termine, ça reset les spawns de tous les Pokémon dans le, l'area. Ce qui veut dire que Rapidash que j'ai pogné tantôt, il serait peut-être là à nouveau, puis je pourrais peut-être le pogner une deuxième fois, tu sais. Une tempête, ça m'a déjà scrappé un shiny, genre il y avait un Pikachu shiny, puis la tempête est arrivée, il y a deux spawns. Oui, ça c'est très chiant les tempêtes. Mais elle va terminer bientôt, il arrive moins équipé des croyants là. Tu vois, Leafeon pendant une fraction de seconde, je pensais que c'était un shiny. Mais je pense que la tempête aussi. Oh! GG Ruby, what's up? Merci pour le gifted sub, c'est bien apprécié. Comment ça va? Un arrivé en force. Je vais retourner voir si Rapidash serait là. Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. J'attends que tu spots un shiny pour dropper 600 vis pour Sea of Thieves. Comme j'ai dit tantôt, Vince, tu peux si tu veux, mais j'ai un droit de veto sur les shiny. Si je vois un shiny puis tu droppes des bits, je vais changer, mais après l'avoir poigné. Puis au nombre de fois que je l'ai répété, là, c'est pas nouveau. Silver Plains took off from this island not long ago. J'ai Tango en le voyant en vert, c'était bleu normalement, j'ai réalisé qu'il était shiny, je l'ai capturé. Ben oui. Tangrowth vert en plus, là. Il fit très bien. Je pense pas que Rapidash serait là à nouveau. Ouais, non, finalement ça les reset pas trop. Il manque juste un spot à aller faire. Non, pas nouveau, j'ai déjà fait le test. Ouais, mais j'en ai déjà eu des nouveaux spots, moi, c'est ça l'affaire. J'ai déjà eu des nouveaux spawns. Oh, mais je vais drop un sac à shooter, bonjour. Ben ouais, ben ouais. Alright, ici, t'as un Burmy. Un Burmy pas shiny. Oh, il est 53 déjà, ok. Je vais finir ma petite run de lait, puis après ça, on va aller raid. Alright. Ça nous prend un troisième shiny. Burmy. Non, Combi. Pas shiny en plus. Ouais, puis en plus, Alpha, tantôt le Rapidash. Oh. Ça, ça fait du bien. Pogner un shiny Alpha full odds, ça fait brutalement du bien. Est-ce que Blissey va être shiny? Blissey Alpha. Non. Là, ici, il n'y en avait pas de shiny. On a checké déjà tantôt. On va checker un petit peu plus dans la nature ici. On dirait pas, hein? Non, je te dirais, j'ai pas mal fait le tour, puis c'est pas mal ça que c'est. Fait que là, on va aller voir le Rapidash, puis le Stantler. So, basically, Stantler level 11. Female.
serait censé aller ici. 9, 58. Ok. Alors, on va prendre celle-là. Puis on va aller la mettre dans Garbage 1, Shiny Garbage. Qui est. En fait, je vais le mettre dans Garbage 2. Parce que Garbage 2, je la porte sur Home. Tandis que Garbage 1, c'est vraiment des. Ils sont finis, là. J'ai pas besoin d'eux autres. Maintenant, Rapidash, ce qu'on va faire, c'est. Pogner ça. Bon, c'est compliqué de cliquer ça à pas. Main. Ben, on va le mettre dans Shiny Alpha pour commencer. Ça, c'est toutes mes Shiny Alpha. Crowfish, Carnivine, Monsieur Dom, Ninetales, Golem, Mamoswine, Hyperior, Ursaluna, Empoleon. Allô, t'es là, je m'en viens. Perfect. Bonjour, Marty. Allô, coucou. Viens-t'en. Hey Marty, j'ai pogné un Shiny Rapidash Alpha Full Odds. J'allais même pas pour ça. J'allais pour checker le Heracross au fond. Je passe au-dessus Shiny. J'allais le montrer tout de suite, checker la belle grosseur de ce Pokémon-là. Oh my god. Checkez-moi le beau Rapidash. C'est une belle catch. Ok, oui. Oh, il est beau! Allô, coco! Il est beau! Merci, merci, Funky! Et belle en salut, très belle! Et tiens, il est beau! Alright, fait que je vais le remettre dans mon box. Ouais, je vais le remettre dans mon box pour l'instant, puis quand Motim sera level 100, je... On va record ces deux Pokémon là. Puis après ça, on va fermer ça. C'est rough, ça commence rough. On retourne au village. Ça, c'est une belle catch. Vraiment content des catchs. Montre-moi, Tim. Oui, check. Il est pas alpha. Mais il est très beau. Il est ultra beau. Voyez-vous ce que je vais faire tout de suite, c'est sauvegarder là. Je vais aller vous montrer mon Shiny Living Dex dans Home. Je vais faire du popcorn, chocolat, caramel. Oh, ça sonne bon ça. Ça sonne bon ça. Ouh, j'en veux un Motim. Il est cool Motim. Ben nice. Ok, je vais vous montrer juste vite vite qu'est-ce que j'ai dans mon Home. Puis après ça... bye bye la visite. Try-tu encore les Alpha Shiny Living Dex? Je fais pas le Alpha Shiny Living Dex, mais je fais le Shiny Living Dex au moins. Donc là, on va juste y aller pour Home. Fait que là, dans toutes mes box, j'ai des. C'est quoi mon dernier? Ok, mon dernier, c'est les East Wind Form. J'ai déjà un Voltorb ici. J'ai les Galarian Form, Alolan Form, Gigantamax 1 puis 2. Les Gen 8, les formes différentes de Gen 8, Gen 7. Les Vivillon, il y a des formes différentes. Toutes les formes différentes de Gen 6. Les formes différentes de Gen 5. Gen 3 et 4, différentes formes. Le Unknown Dex, les Female 4, Female 3, 2 et 1. Ça, c'est comme des females qui ont des patterns différents. Fait que, mettons, Butterfree, female, Kadabra, Rhydon, Heracross. Tu vois, Heracross, c'est assez visible. Octillery. Ici, j'ai Cricketot, Starly, Staravia. Puis, si, mettons, je m'en viens ici, là, c'est tout en ordre. Fait que là, t'as 1 à 30. J'ai mon Charizard, level 100. J'ai Pidgeot. Beedrill, Blastoise, Pharaoh, Hugo, Goldbat, Q.png, Abra, Matchup, Macho, Tentacruel. Tu sais, j'ai déjà un Rapidash level 100 ici avec un Pokérus.
on se rappelle bien. Pas les Doritos Barbecue, le sac mauve. Non, je connais pas, mais je vais checker ça, certain. Ghastly, Chansey. Puis là, ici, ben, t'as une coupe de Eevee, de Jolteon, puis Flareon. Puis je pense que c'est ça. Jolteon, Flareon viennent de Pokémon Go. Tu vois le petit logo en bas à droite. Puis Eevee vient de Arceus. Starmie vient de Let's Go Pikachu. Magmar vient de Arceus aussi. Togepi nous provient de Arceus. Même affaire pour Aipan. Là, mais tu continues. Tu vois, j'ai déjà un Stantler ici. Fait que l'autre Stantler que j'ai pogné, ça pourrait aller dans les females s'il y a une forme différente. Sinon, je vais l'évoluer en Wurlbeer. Puis ça va me donner quand même un autre entrée. Ça là. Rosalia qui nous vient de BDSP. J'aurais dû les tuer, tant qu'elle est là, puis tirer des balles sur eux. Puis là, ici, on a un bon spot parce qu'on commence vraiment Gen 4. Puis Gen 4, ben, t'as Legends Arceus qui m'aide beaucoup. Fait que ça, c'est toutes des doubles que j'avais. Tu sais, je peux déjà me clairer Spiritomb Shiny, qui est très cool. Flareon, pire Shiny de Eevee. Le pire de toutes les Eevee Lotion. Ouais. Ouais, 100%. 100%. Yannega que j'ai ici. Puis on continue bien plus loin. Je pense que j'en ai d'autres un petit peu. Non, même pas. Ah, on arrive dans les females tout de suite. What's up, Zach le Pro? Save changes and exit. Fait que tu vois, moi sur Pokémon Home, je fais juste le Shiny Living Dex. Je veux juste avoir Pokémon Home tout de suite pour mon Shiny Living Dex. Rien de plus, vraiment. Alright, on va fermer ça. Puis on va partir sur un raid. Hey, j'ai bien aimé la ce Switch ce soir. On a fait un peu de tout. On s'est fait insulter sur Sea of Thieves gratuitement. On a pogné un beau Pokémon Shiny. Monsieur Zenea, c'était pas mal le maître de la soirée. Coucou, j'ai une pub. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai une pub? S'il y a des niveaux, allez joindre le Discord, Insta et TikTok. Hey, merci Bad Wolf, c'est bien apprécié. Je vais le mettre tout de suite. Insta, Discord et TikTok, si jamais ça vous intéresse. L'internet est en train de lâcher, qu'est-ce que c'est ça? Hey, ton cul! Grosse cochonne salope! Merci pour le follow! Tu peux le dire, monsieur Zenea, c'est en route en ce moment. Ouais, c'est en route, c'était sa période. Ça a manqué de GeoGuessr. Ben écoute, faudra se reprendre une prochaine fois en point, je pense. Mais je suis d'accord, ça manquait de GeoGuessr. Il n'y a plus de Kekulokuku. Ben non, Kekulokuku est encore là. C'est juste qu'il est rendu payant dans les Sound Alert. Fait que tu peux faire jouer Kekulokuku pour 50 bits. Si tel est ton désir, tu peux. Bon, nous autres, on part sur un petit raid. Et je suis en train d'observer où est-ce que je veux aller raider. Kekulokuku! Kekulokuku! Merci pour le Kekulokuku. C'est bien apprécié. Avant de partir, je vais faire les squats. Merci Gigi Roby pour le cuckoo. C'est bien apprécié. Jimmy est là. Ok, on va aller raid Jimmy. Ah, c'est con, j'adore ça. On s'en va raid Jimmy. Pourquoi ne marche pas? Pourquoi ne marche pas? Raid. T'avais des brillants, man. Ah oui! It's me. Il y a trop de lettres en double dans son nom. Ah oui, je vais aller faire les squats, t'attends pas. Don't worry, Balou. Yo, j'étais en train de jouer à Legend Arceus Tavernaque, je pensais avoir un shiny. Hein? T'as réussi à berner deux personnes. On s'en va raid Jimmy, fait que mec, on arrive là-bas. Est-ce qu'on peut dropper des... Y'a-tu un emote, là? Blaster... Spammer les emotes alcéniques, les nouvelles emotes.
N'importe lequel. Mais pas les fuck you. Les fuck you, c'est méchant. Jimmy est gentil. Jimmy est gentil et nice. Fait que là, on s'en va là. T'arrives à temps pour un raid. Exactement. Ah oui, l'Alsa coucou, là. L'Alsa allô. Tiens, on va juste faire ça. Copier ça. Vous mettrez ça. On s'en va chez Jimmy. Merci beaucoup, gang, d'avoir été là. C'est super apprécié. On s'en va même heure demain soir. Demain soir, on fait du Shiny Hunting pas mal toute la soirée. On va en faire sur Pokémon Legends, Arceus et d'autres sur Pokémon Sword un petit peu. Donc de 5h à 8h au Nouveau-Brunswick et de 4h à 7h le soir. Si vous êtes au Québec, si vous êtes en France, je sais plus tard, faites le calcul. Ça me tente pas. Ok, c'est ça, on s'en va. Salut, bye, yo. Alexia? No. She's already fully awake. Chris, oh little fishy, come see my hook. Chris, I'm sending some company to keep you entertained. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy! Ok, on peut aller par là. On se projette one shot. Thank you.
Yes, sir. GG pour le nouveau caribou dans la tribu. Oh, yeah. Et comment va le travail?
troupe. Comment va le travail? J'ai des pas de troupes. Ah ben, mec, ça va bien? Vous pouvez venir me voir, Esti. On ira faire du sidou. Je passerai le chalet. Ça. Pas trop. Je vais avancer un petit peu une petite affaire, je vais sauvegarder. Je vais écrire le message aussi, si ça prend pas de temps, ça, vu que... Saint-Jacques. Pétanque crevette ou juste... de place. Tout le kit. Je sais ce que c'est, ça. C'est la porte qui était barrée. Ah ah. Ah, j'ai pas vu ça.
pense qu'il y a une cage d'ascenseur, peut-être là. Shotgun d'être là, je peux pas le prendre tout de suite, j'imagine. Ouais. Putain! Si je voulais pas me battre contre lui de suite. Je pensais que j'étais mort. Quelle place à ce qui manquait une poignée? Le problème, c'est que j'irai là, mais je peux rien ramasser. J'ai pas de place. Sauvegarder parce que là il y a trop de stuff. Resident Evil Code Veronica. Non, ça sort. Il a sorti après le 2. Je pense qu'il a sorti entre le 2 puis le 3, je suis pas sûr. Il est peut-être même sorti.
Oh, lisse, niesti. Il est en train de me demander à quelle place je peux sauvegarder. Je vais même pas été voir ce qu'il y avait dans la... Dans la porte, ça me semble que j'ai pas été. Je me rappelle plus où ça amène, ça. Ah, il y a un tonneau devant. Je vois pas par là. Fais tabarnak! Je jump dans la face comme s'il n'y a pas de lendemain. Où c'est moi? Une poignée de porte, une clé. C'était tout pour l'aventure du jeu Resident Evil Code Veronica live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!